l'église baptiste prend la communion. Nous invitons, venir assister à nous. Et si vous voulez participer avec nous, vous êtes déjà bienvenus. Parce que c'est une cérémonie qui va vraiment spéciale. Et dans l'après-midi, ce sera la soirée de prière. Nous allons chanter notre chanteur avant que nous entrions dans le message de ce soir. Le chant de la prière. Le nom de Jésus. Émancipateur, car avec un trait de sa plume,
il a libéré des milliers d'esclaves. Mais le Christ, par sa mort sur la croix, a délivré toute l'humanité du péché, du vice de l'esclavage et de la mort. C'est à Jésus-Christ que la Bible le décrit comme le sauveur, le roi des rois et le Seigneur des Seigneurs. Pour le commémorer, un moment spécial a été organisé par le sauveur lui-même avec Elsie. C'était un moment très émouvant, riche en enseignement. Il peut répondre à plusieurs noms. Repas du Seigneur, c'est repas ou communion. Encore cette scène ou Eucharistie. Les évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques. Et nous faisons le récit de l'institution du souper du Seigneur. Et nous citer, quand on parle d'évangile synoptique, on veut parler de Matthieu, Marc, Luc. Il y a des synoptiques parce qu'ils ont rapporté un fait. Mais avec des nuages, non, même l'évangile là. Même j'avais Paul, il parlait également de ce récit dans 1 Corinthiens 11. Vous êtes de quoi à briser. Le leçon d'amour et d'unité a été donné à l'église et au monde. Hélas, les unis ont sujet de violentes décisions et de divisions. Parce que les différentes croyances et les modes divers de célébration, nous parlons et nous parlons. Les contradictions. Il y a plusieurs contradictions. En ce qui a trait à la Sainte Seine. Qu'il y ait quelques églises qui vivent avec des doctrines comme si on avait matérialisé le service de communion. Par exemple, il y a la doctrine des catholiques. Il veut lui parler de la Sainte Seine comme la transsubstantiation. C'est comme le doctrine qui fait croire que l'hostia est vain, il transformé en la personne même de Dieu. Je vais passer mon amour. Je dis qu'une fois qu'on prend l'hostia, c'est quand je dis même physiquement pour manger. Vous voyez donc ça? Doctrine de la transsubstantiation. Il y a la doctrine de Luther. Lui-même, il parlait de la doctrine de la consubstantiation. Lui-même, il n'y a que catégoriquement la doctrine précédente. Mais il y a même que l'espèce consacrée à parler de vin et pain, ils ont reconnu que ils ont gagné la présence corporelle de Jésus à travers ces espèces consacrées. Il y a tant de pratiques que nous avons révélées des pratiques injustes de la sainteté. Par exemple, du côté de l'Église, les affaires de scène qui ont utilisé nos seuls emblèmes. Par exemple, c'est européen, européen seulement. C'est bien, on ne va pas dans ces seuls emblèmes. Ça, c'est une pratique qui part d'après la parole de Dieu. Quelle est notre pratique qui utilise le pain ordinaire avec des boissons qui inappropriées. Par exemple, des mounes, par exemple, c'est celle qui baille pain avec des gingembre. Qui l'église qui a baillé des gingembre, qui baille pain avec des gingembre. Qui va aller avec cola laisse, avec bon sel. La personne de la parole de Dieu. Il faut que la Bible, c'est la parole de Dieu, il nous donne la marche à suivre. Il nous donne comment faire. Il nous donne comment faire. Parce que une telle cérémonie, c'est une cérémonie de rappeler la mort de Jésus. C'est une cérémonie qui remplit l'importance et surtout.
après, nous retirer le lavement des pieds. Et lorsque nous serons nécessaires, ou pour faire pour manger, ou pour faire pour boire, sans qu'on va faire la main des pieds, l'hypare après là, il peut faire la vie. Qui compte qu'il fait cette scène, seulement, nous n'avons pas de manger, mais il seulement pour garder, ou bien lui, toucher. D'accord? Il faut de garder, ou bien toucher, les petits sacrifices. C'est pratique, c'est une croyance et c'est pas une célébration. Je parle bon, parce que je vais gagner une origine biblique. Parce que le chrétien suit la Bible, la parole de Dieu. D'après la Bible, que signifie la scène? Ça signifie la scène. Alors regardez la déclaration de Jésus dans Jean 6, verset 51. Et c'est comme ça. Ça, c'est ça, ouais. J'ai dit, je suis le pain de mon mangeant. La cérémonie, c'est Jésus-même. Jésus dit, je suis le pain vivant qui a descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra et il vivra. On dit à ça. C'est pain vivant. Il est le pain vivant. Qui est descendu du ciel. Je vous dis, moi j'ai fait ça à la vie éternellement. Ah. Et d'abord, le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Vous dites, moi j'ai fait ça à la vie éternellement. Et tu vas enlever ça. Et tu vas enlever ça. C'est comme ça passé. C'est le bon. Le contraire. On nous garde. Verset 50. Car ma foi est vraiment une nourriture. Et on s'en est vraiment un. Et vous. Chère, c'est dans mon outil. Et il dit encore celui qui. Mange ma chair et qui boit mon sang. Demeure en moi et tu demeures en moi. Amen. L'homme mangé, corps Jésus, qui se symbolise par le pain, ou bien sans Jésus, qui symbolise vin, ou bien vin qui symbolise sans Jésus. Jésus dit que la deux fois, l'homme fait ça, ou demeurer dans la vie. Et je me rire. Non, non. En gardant ça, on voit qui concernant, parce que quand on parle des quatre évangiles, là, on ne peut pas faire partie des synoptiques. Et il dit que dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, et après avoir l'aide de grâce, le rompu et dit ceci est mon corps. Et on puis, pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et par contre, la fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez ce corps, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Ceci est mon corps. Je suis le pain des saints du ciel. Ceci est mon sang. Mon sang est vraiment un potage. Il ne faut pas prendre ces expressions au pied de la lettre. Parce que le verbe est ici, lui employé dans le sens figuré. Comme dans le 14 verset 6, lorsqu'il dit, je suis le chemin. Est-ce que nous sommes littéral? Non. Je suis le chemin. C'est comme s'il dit dans Jean 6 verset 7, je suis là, la porte. Et dans Jean 15 verset 7, il dit, je suis le chef.
Il s'agit ici des déclarations qui faites pour qu'on ces études qui donnent accès au salut. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au même par moi. C'est la porte du ciel, c'est la porte du salut. Il dit, je suis un corps pour mon sang. Il dit, je suis au besoin mon corps pour mon sang. Je dois vous dire, pour les chers bien-aimés, chers amis, que la sainte scène, d'après Paul, lui donne toute signification, ou lui donne tout le sens. Tout d'abord, lui donne un sens commémoratif et lui donne un sens eschatologique. Il dit que, car toutes les fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort, vous savez, vous cherchez bien. Il y a un sens commémoratif, puis rappeler la mort du Seigneur. Le baptême également, il rappelait la mort, il rappelait le Seigneur du sang, et il rappelait la résurrection. La sixième, lui rappeler, d'accord, la mort du Seigneur. Ça, c'est le sens commémoratif. Lui dit au sens eschatologique, jusqu'à ce qu'il vienne. Lui rappeler le retour de Jésus. Ça veut dire que maintenant j'ai un père, Josia, qui s'est brisé le corps de Jésus. Mais on l'a, Jésus a retourné. Parce que Jésus m'a dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie avec vous, jusqu'au jour où j'en boirai à nouveau dans le royaume de mon Père. La communion, ici on lui dit, si tu as fait de lui, et c'est Christ et Christ glorieux. Et si celui participe à ce repas, Seigneur. Je m'en dis que c'est toi, le nom de Jésus, et le nom de Jésus. Maintenant, comment la Bible demandait pour nous faire ces œuvres? C'est ça que tout le monde connaît, surtout les nouveaux baptisés. Comment la Bible demandait pour nous faire cérémonie ça? Tout d'abord, l'homme fait ses œuvres. Pour une bagarre qu'on fait, on fait le lavement des pieds. C'est une divinité. Parmi eux, si on retrouve ça, les Jésus qui rencontraient les disciples à la chambre haute, et puis ils prennent un cuvette, ils prennent un linge, ils prennent de l'eau, ils commencent à laver bien, monsieur. Et ensuite, Pierre a dit à Jésus, non, Seigneur, parce qu'elle en est plus. Même prier, moi-même viens moi pour la vie. Non, pas d'accord. Il dit, Seigneur, Jésus dit à Pierre, si vous ne faites pas ça, vous ne partez pas avec moi dans le royaume du monde de mon Père. Pierre dit, non, Seigneur, vous ne partez pas dans le royaume. Non, Seigneur. La même Pierre. Pas que mon témoin, tout le monde. Ça veut dire, le Seigneur de l'humilité, ce malade qu'il faut vous confronter, lorsque vous montez en Jésus, ou par un lien. Si vous avez quelque chose, c'est grâce à Jésus. Le Seigneur de l'humilité fait suspendre, frapper, mais son bâton. Service-là, l'idée de l'homme, pour lequel, si vous sortiez là, c'est grâce à le Seigneur. Comme Paul m'a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le plus qui vit pour moi. Allez. Donc, on peut faire la croix des pieds. D'accord? Ou sortir en bas, vous écoutez, dans la salle de la croix des pieds là. Ou venir dans la salle normale là, où dénouer du montant là, dresser. Et puis, nous allons participer dans le service de distribution des enfants. Il y a pas où d'abord, il y a fait d'abord. Nos prières, il y a fait d'abord. Lecture sur le pain.
Il est capable de faire 6 verset 26. Vous fait également, après des lectures, il a fait en prière, il a consacré et bénir le Père, et vous avez la distribution du Père. Et donc, la distribution du Père, au plan payant, et après quoi, vous avez bénir la main, aussi à donner le jour de ce moment-là, ensemble. Et après quoi, on fait la même chose pour le Père. Le bon Père, donc, top. Bien un long hiver. Maintenant, l'offre par lui, on donne si elle ouvert. Et il va vous dire que, et les mots sérieux, nous ne parlons pas de l'élément vin, mais on peut prendre le pur jus de raisin. Et peu à tout, c'est un peu qui va gagner le vin à l'âme. Parce que le vin, c'est monter le péché. Donc, pleine, pure et sans le fait. Il fera avec l'eau, sel et farine, l'huile. La Bible est bien de l'évangile pour pouvoir participer au service de l'humanité. Quoi à la présence spirituelle et non pour avoir le vécu dans le Seigneur de l'Éternel. Je ne dis pas là corporellement, mais là spirituellement. Et quand nous arrivons, nous connaissons, on cherche en plus. Quand je dis ça, c'est pour vivre bien. Non. Nous parlons d'imagination. Nous connaissons qu'une fois que nous faisons l'été, ces emblèmes sur la table, ces emblèmes ne sont pas Jésus. Mais nous représentons le Jésus, le corps de Jésus et le sang de Jésus. Et il va le dire. Lorsque vous refusez les emblèmes, vous refusez les emblèmes et comme on dit à la théorie. Utilisez les emblèmes, voir avec tous ensemble, d'accord, du parcours, c'est le à la rivière. Ça, c'est ça qui va faire pour nous le monde de la fête. Ne pas prendre cette théorie à la rivière. Parce que c'est ça. Pour nous devoir participer là-dedans, il faut vous remplir des conditions. Parce qu'il a dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain, ou boira la coupe Seigneur, intimement, sera coupable envers le corps et le sang. Sous moi des pains, hein, pour obtenir la vie éternelle, n'est-ce pas? Et souvent on est payant ou pas là, ou pas là. Et souvent on est payant intimement ou coupable envers le corps du Seigneur. Et on va dire que ça c'est pour soi-même. Que si il mange du pain et boit de la vie. C'est pour éprouver. Par contre payant, par contre coupable, ça pourra discerner le corps. Je laisse que demain matin, nous aurons une belle cérémonie de cette serre qui va aider nous à commémorer la mort de Jésus. Nous disons que cette cérémonie vient de toute signification commémorative et escatologique. Le Seigneur nous conduit tous à sa table. Et tout d'abord, il nous faut rentrer à nous, en nous-mêmes. Il nous faut nous examiner, il nous faut nous préparer, il nous faut cette préparation qui va nous aider à comprendre la portée de cette cérémonie. Nous pouvons dire à nous qui pour vos gens pour la sincère, n'est-ce pas? Mais il y a toujours peur. Et que mon tout qui baptisé, mes chers parents, communion, ils fuient la communion. Pour ça, parce que ils n'ont pas préparé. Le démon, il va bien avec nous. Il y a un problème au niveau de la famille, au niveau de leurs amis. Mais je dois vous dire que Jésus dit que le chrétien doit se préparer. Chaque jour, par
parole qui l'est, Jésus a parlé. Vous parlez qu'il est la mort, vous frappez la porte. Et il a souhaité pour que nous ne parlions pas qu'à marcher, nous avons une vie. Nous disons la vie de l'autre, nous disons.